monde qui vivent dans le pays. Et même les gens qui sont dans le pays sont affectés. Parce que la misère la vie augmente, guerrier. Question grand gounde qu'on a posé comme problème dans la vie augmente. Vulnérabilité mounio vient augmenter. Mounio vient plus dans la crasse, plus dans la promiscuité. Parce que des gens qui quittent Kayo guerrier, qui étaient à l'aise, quand ils dorment dans un petit bout de chambre qui est 20-30 personnes avec cette situation. Il y a des gens qui sont de l'autre quartier qui probablement sont trop exposés, qui recevront des gens là Kayo, qui n'ont pas même une chance pour bouger. Ils ne peuvent pas vivre bien. Du coup, c'est promiscuité totale. Et si vous regardez les derniers chiffres officiels communiqués par que ce soit des organisations au niveau national, que ce soit des organisations internationales ou bien des agences onisiennes, on va prendre compte que bagarre la grave. Et même là encore, chiffres, c'est des chiffres qui pas forcément reflété réalité. Réalité. Par exemple, on regarde l'ONU qui parle de situation cataclysmique en guerrier. L'Elzou, de janvier 2024 pour arriver là, dans Mastala, c'est plus que 1500 personnes qui mourent dans la zone ça, seulement. Il y a des gens qui disent carrément l'ONU par contre. Et les gens qui boulent. Je ne sais pas. Et les gens qui boulent. Et les gens qui disparaissent par là. Donc ça, c'est peut-être des cadavres qui ont signalé, qui ont des chasses répertoriées. Maintenant, on va parler de la nouvelle guerre. OIM nous a consacré. Pendant cette période, au moins 5 jours, ça là. Il y a plus que 50 000 personnes qui sont obligés de courir, quitter. Quand on prend cette zone qui est sous côté, pour aller dans le sud du pays. Or, avant ça, il y a 116 000 personnes qui sont déplacées. Et ils pas pris la direction de Grenoble, c'est par rapport à la difficulté qui gagne pour accéder à un série d'axes routiers dans le niveau Grenoble. Donc tout le monde a gonflé dans le sud. Et le sud, ça n'a pas lié à guerrier du seul. Tu es déjà à faire face à une situation extrêmement difficile. Depuis le Matissan, tu as un problème, tu viens ajouter sous Marianne, etc. Qui vient faire que dans le sud, là, nous avons débattu, nous avons débattu, bon paquet de produits, malgré que tu aies ça, tu n'as pas de prince. Pendant la période de 1 mois, 5 jours, qui n'est pas disponible, qui n'est pas disponible, qui devine faire que Koulavia est atteint au niveau sans pareil. Donc là, tout le monde a déplacé à l'Ogonfle dans le sud. Donc on est capable d'imaginer dans quel niveau misère est capable. Mais vous ne pouvez pas dire. Et que c'est PAM, Programme Alimentaire Mondial, que c'est FAO, qui c'est Organisation Agriculture Basée, Manger, Alimentaire, etc. Sous quel chiffre vous communiquez sur la question de la sécurité alimentaire? Parce que c'est CNSA tout, qui est la coordination nationale de la sécurité alimentaire, qui est instance par ici dans le pays. On parle de plus de 5 millions d'Haïtiens qui ont en insécurité alimentaire. Nous expliquons ça plusieurs fois aujourd'hui. Avant même date 29 février, avant même période 29 février pour arriver ça là, tu as gagné 4,5 millions jusqu'à 5 000 personnes qui n'ont pas à manger. Mais ça veut dire qu'il y a une insécurité alimentaire. C'est des gens, un, qui mangeait guerrier une fois par fois. Et manger ou manger pas forcément de manger de qualité. Comme si capable de nourrir ou capable de en bonne santé. Et bien, dans le chiffre, ça guerrier, il y a plus de 1,5 million qui sont en situation d'urgence. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'organisation qui a compétence pour ça. Que ce soit en Haïti ou bien l'autre bord de l'eau. On a dit qu'il y a une situation d'urgence guerrier. Situation d'urgence, vous dit, c'est des gens qui ont passé n'importe 2-3 jours sans manger. Ça veut dire que c'est des gens qui risquent de tomber, mourir grand goût. Et ça fait l'organisation parler de possibilité pour Haïti faire face à une famine sans pareil. Dans un futur pas trop lointain. C'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. On voulait parler d'une situation innommable et inqualifiable. De 29 février jusqu'à 3 avril, on a parlé la veille. Donc, qu'on y a là, que on nous te dit, ou pour le conseil présidentiel, guerrier, que on nous te dit comme ça, ou pour la cour de cassation. Que on nous te dit comme ça ou pour conseil Guy Philippe là dans tête pays à bouger période intérimaire là. Ça pas dit rien non si au moins tout ça au moins saute essayer expliquer là. Et gen moun ki te ka ajouté beaucoup plus toujours si on pas fait partie de priorité ou bien si on pas préoccupé. Et ça fait me dire au départ, on nous est qu'à mettre tout ça n'est comme appartenance politique, tout ça n'est comme divergence, tout ça n'est comme désaccord, tout ça n'est comme différence de côté. On garde bagala avec un yeux de citoyen. On garde là avec un jeu haïtien, un jeu monde.
comme si pour tout ça yo vinn sous table là et puis ban nous ça n'est comme tableau jodi a dans pays a pour moun nous ta dim ou insensible à ça yo et puis me décider metto dans même panier avec nèg exam yo avec nèg coalition vivre ensemble pour penser c'est méchant méchant ou bien c'est frapper trop fort. Et le pire dans tout ça, ou bien ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ou pas bon moun nou ka responsabiliser, ou pas bon moun nou ka longer droit sous li, ou pas bon moun nou ka râler les oreilles jodi a pour dire comme ça que mais ça gagne comme problème là et c'est eux même qui gagne devoir pour yo porter solution en tinting yo pour faire assumer responsabilité pas gagne jodi a. Parce que je me pose des questions la semaine dernière, ou tu essaies de poser la même question. Qui est-ce qui a dirigé le pays? Pas de monde qui connaît, est-ce que si c'est Ariel Henry, si c'est Patrick Michel Boisvert ou bien Michel Patrick Boisvert? C'est dans la radio, dans la presse, nous connaissons Michel Patrick Boisvert lui-même, il est premier ministre AI. Nous ne pouvons pas entendre rien le faire. Bon, est-ce qu'il y a un pouvoir ça tout? Nous ne pouvons pas entendre rien le prendre comme engagement, aucune déclaration. Sinon, renouveler pour vous faire de temps en temps. Tout directeur général, tout ministre peut parler, yo tout marron. Parce que les gars yo dit a chercher au cocher fou, yo nan caché. Pendant à bouler, pendant à bracher, ministère qui concerné au senti que yo ta faire route servi collé, yo ta sorti des notes, vous comprenez? Yo ta annoncé des bagailles. Pas grand rien qui fait. Un pour ministère tant que ministère de la justice et de la sécurité publique je dis qui très concerné par rapport à ça qui arrivé là. Au ministère, tant qu'au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. C'est vrai, c'est Ariel qui a, il a donné, mais quand même, il était ton chef cabinet pour gérer toute bagaille. Et pendant le parti à là, il baille au ministre gérer de manière intérimaire. Dès qu'après l'autre ministère, encore tant qu'au ministère des Affaires sociales. Il y a des informations qui viennent joindre moi sous comportement des ministres qui sont dans le gouvernement. Ça a passé. Je te dis ça là déjà, il y a des gens qui étaient passés, c'est vous qui m'avez monté. Moi, je te dis que. Malgré toutes sortes de nous décrits là comme réalité, il y a des nègres, des femmes dans le gouvernement démissionnaire à guerrier qui voulaient rester dans le pouvoir toujours. Qui voulaient rester dans l'État toujours. C'est tellement de résultats. Et c'est ça, on parle de méchanceté. C'est ça, on parle de criminel au même titre, au même niveau que monsieur Vivant Samyori. Nous te prenons le gouvernement dans un moment très, très au sérieux. Là, on te dit, bon, il y a pression, il y a là, on forme parce que il y a une provision légale, etc. Ah, c'est pas vrai, il y a un réglé. Ah, c'est pas vrai, il y a un réglé. En fait, c'est logique, très simple. L'information que vient de moi là, il y a dit soumettre projet de créa à un ensemble de juristes. Pourquoi ça ne va pas communiquer juriste ça d'après vous? C'est l'État qui prend décision. L'État dit bon, mais ça le mettait sous place. Mais qui est-ce qui l'a donné là? C'est mon bail qui a fait la bataille. Pour qui ça ne veut pas dire qui est juriste, qui a banalisé le décret. Il y a simplement deux juristes. Mais une information que je viens de là, c'est que la majorité des juristes qui soumettent la bataille, c'est des juristes qui ne sont pas forcément dans la CPA, même dans la dent. C'est des juristes qui croient que je dis, c'est une des plus proches de la Constitution, c'est la Cour de cassation. Par contre, vous comprenez. Donc, en la gang, il y a un juge qui fait. Donc, ça va poser un problème. Deuxièmement, il y a des ministres carrément qui posent des conditions pour participer dans le conseil, pour mettre des signatures en bas de document. Je dis ça là, oui. Je ne sais pas quoi, c'est hier, je parle pour Internet là, je fais un parler de ça. Je parle de ça, même si je dis ça là, oui. Il y a un ensemble de ministres carrément qui disent, c'est soit au ministre ou bien au jeune des jobs à l'étranger, oui. Il dit vrai, oui. Il dit vrai. Donc, quand il y a là pour parler de criminels, pour parler de nègres qui mettent pays à un niveau là, des femmes qui mettent pays à un niveau là, pour parler de nègres à exam, pour oublier gang avec surtout. Comment on comprend, on est des ministres pendant 33 mois, ou pas faire rien pour pays, ou pas aucun résultat. D'ailleurs, nous avons un ministre, nous n'avons pas de doute sur la capacité académique, sur la compétence. Mais c'est un ministre qui était plus nul sous le gouvernement Ariel Henry. Et c'est un ministre qui voulait toujours. Donc ça veut dire que Jodia n'est pas intéressé avec ça qui est là dans le pays. Il est intéressé à pouvoir comment il a arrêté dans le pouvoir ou bien il a venu prendre le pouvoir pour
continuer jouir, pour continuer sous ces mamelles là, pour continuer tété. Bah on se comprend bien, je dis ça. Bah la bon pour yo. C'est ça, yo de fait. Et c'est dommage. Parce que même jour ça, Johnny Ferdinand, yo ta relé m pour jamais moi pays ça gain problème, pour jamais moi gain difficulté, pour ça moi là dans la rue. Gayé ça me ça décrire là, c'est pas sous papier seulement non. Ou capable li yo. Soit là ou y'a là yo visible, parce que moi même dans la ou y'a chaque jour. Yes, yes. Yo visible. Mise n'a pas le grand goût, n'a pas li à la guerre Dieu seul. Li visible dans la ou y'a. Mais tout ministre yo bébé. Et c'est l'alpi du ya. Ou pas connaît à qui est-ce pour adresser, qui est-ce pour faire debris sous tête li, qui est-ce pour critiquer, qui est-ce pour aller oreilles. Et ça que fait oué. Gide moun gidou pays à tout carrément sous pilotage automatique. C'est nous quatre mené tête nous mené tête nous côté nous blé. Nous fouille tête nous dans tout nous blé. C'est ça où il y a anarchie totale là. Pas une personne qui connaît qui est ce qui fait qui ça. Il y a deux ministres qui entrent dans le pays là, 104 millions qui entrent. Ministre qui était bloqué aux États-Unis, qui était passé par Saint-Domingue, ce n'est pas dans le vol son Nigeria qui entre là. Ça fait 30 sujets avec. 104 millions entrent. Il y a des gens qui parlent de blindé, il y a des gens qui parlent d'hélicoptère, mais ils rentrent en 4 minutes quand même. Ils sont au cap pour rentrer dans le. Et puis ils sont rentrés dans tout. C'est-à-dire, ni venir, ni rester à pas changer aucune situation. Donc, quand il y a là, pour moi, expliquer que je dis, c'est le problème qui est-ce qui vous gérer puis il y a des terrains là qui vous posent. Moi, pour moi, c'est le faux problème. Le problème qui vous posez, c'est comment on entend nous, pour nous au moins retirer le pays dans la situation ça. C'est le problème ça qui doit poser. C'est le problème ça qui nous pose. Je n'ai pas besoin de connaître si vous supportez Guy Philippe. Ça va garder si vous supportez le conseil présidentiel de la transition que je toujours ajouté comme d'elle. Ça n'a pas intéressé que vous-même vous supportez cassation. Mais en garder dans tout ça, vous supportez côté pays à y la dame. Voyons, je dis à n'a pas parlé de conseil présidentiel. Nous t'expliquer pour qui ça n'a pas de conseil là comme ça. C'est parce que c'est lui-même nous voulait, ou bien, contrairement à ça, moi, mon yo pensé sur Internet là, comme si on va en faire promotion, ou bien si on va nous attacher à elle. Jamais! Ben, personnellement, tout le monde qui parle avec moi, qu'on positionne déjà, sous comment t'as doué gérer période intérimaire là. Mais par contre, qu'on voulait le pas, c'est le CP qui est sur la table. Oui. Nous t'ai dit ça déjà, il n'a pas dit encore. C'est le CP qui est sur la table. Donc, du moment que vous passez par le CPA, vous passez à autre chose, n'a parlé de autre chose là. Si demain matin, c'est la Cour de cassation qui vient sous table là, n'a pas d'information, n'a fait des analyses, n'a fait des commentaires sur la Cour de cassation. Si demain matin, tout, c'est pas la Cour de cassation, c'est conseil Guy Philippe là, tout, qui sous table là, n'a parlé de lui, n'a pas d'information sur lui. Mais je dis, c'est le conseil présidentiel qui est en vue, c'est lui-même qui est en gestation, c'est lui-même qui est sous route. Pour ta abouti, on a parlé de lui. Donc si on a raison qui fait moi-même, je dis à moi penser que faut nous questionner acteur ça yo qui dans processus ba CPA, que ce soit moun qui constitue yo, que ce soit moun qui dans gouvernement démissionnaire là qui gon rôle yo doit jouer pour capable permettre que processus CPA lui-même l'abouti. C'est avec qu'est-ce que guerrier. Moi, sous Delma, route, moi, ouais, ouais, l'autoroute de Delma, point d'interrogation, je ne sais pas si l'autoroute ou pas. Vous connaissez des heures de pointe, quand il y a un gros blocus. Il y a un jour de là, quel que soit l'heure passée dans la journée, il y a des côtés passés Delma. C'est chaque 15, 20, 30 minutes où une machine passe fiou. Tout en courir, oui. Il y a des côtés passés pays, il y a un désert, il y a un pays qui est en guerre, oui, guerrier. N'en parlons pas pour une série de supermarchés. Qui jodi a pas de capacité pour approvisionner tête yo, donc ou ka rekob nan moual nan market jodi a ou pas ka acheter rien et minimum ça gagne yo tête nèg mal fondé respectant pendant weekend nan gagne 15 000 gouttes dans poche mais moi rentre dans supermarché même si moi la chanti bagaille peut-être cap coûter environ 5 000 gouttes 10 000 gouttes pour ka rekob gagne l'aime ba me porter nan main c'est forcé ou forcé moun kap travailler market a dit jodi pon chariot non malgré ça me dit bon gros bout de chariot yo gagne ba la chanti fè yo ba pan yo non. Si je vais pousser, je vais faire chelbert. Mais je vais garder moi ça m'acheter. Je vais me dire que je vais pas. Et bien, il y a 15 000 gouttes là. À peine si je vais mettre mon 2 000 gouttes. Voilà. Je vais me dire que je vais pas bras comme ça. Tellement bas, je chéri. Et je ne vais pas bien du tout. Ou je vais me dire que je vais aller habituer à dire dans le commencement.
journal là depuis quelques semaines là, il dit comme ça que sous mon petit l'argent, serré le fait économie. Et mes guerriers, dans les jours à venir, du train que ça va. Hier matin, après le journal là, gagné un ami qui proche coalition vive ensemble qui relève. Pour eux, il dit que les suivent moins religieusement et les très remettent tout. Moi, dit le merci, ça fait plaisir. Il a poursuivre pour le dire que l'étendem n'a pas les matins hein, en parlant de hier de université qui boulait ou bien que nèg exam yo boulait. L'étendem même dit de qui université m'a parlé même. Alors faut que moi préciser ça. C'était un échange pour le moins cordial. C'est pas ton bagage qui t'est fait avec arrogance ou bien irrespect. Très gentiment, moi répondre pour me dire, je suppose au mieux placé passé pour connaître de qui université m'a parlé. Et là m'a parlé de l'université d'État d'Haïti qui pendant dernière vague violence là gagné plusieurs facultés là-dedans qui subit zak bandio. Moi parler de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire au niveau de Damien nèg exam t'es investi espace là t'es volé matériel t'es crasé t'es boulé. Moi parler également de la faculté des sciences FDS. Moi parler de l'école normale supérieure. Moi parler de l'école nationale des arts, etc. Alors pour mon état avec nous, li pas poser une question pour le dire de qui université m'a parlé à dans sens pour montrer que pas gagné effectivement faculté ou bien université qui boule non. L'idée pas là c'était pour remettre en question qualité université gagné dans pays d'Haïti, pour nous remettre en question faculté ça yo qui passait en bas flamme ou bien nèg examen yo vandalisé saccagé etc. Et m'd'après le comprendre ça, c'est l'œil prend exemple l'école normale supérieure pour la dire gardons côté y a formé formateur ou bien y a formé enseignant qui pourra le bail mon formation qui pourra le former des générations et des générations. Donc ça pas aucun bagaille pour avec université. Donc pour lui l'el boulé ou bien les yo boulé en local en faculté comme ça son coup de main au bail pour aider repenser côté y a formé des enseignants côté y a formé des monde qui peut aller pour former l'autre monde. Me dit monsieur ou d'accord avec moi ça sont l'autre débat. Je dis à ça ou expliquer là il pas justifié le fait que des nèg exam décidé attaquer des écoles, des établissements scolaires ou bien des établissements universitaires. Nous disons c'est vrai que nous d'accord, l'université a gagné un pile problème. C'est vrai que jodi a nous capable de remettre en question, j'en ai fait l'université ici. C'est vrai que si nous prenons UEH là, qui c'est l'université de l'État, il a gagné un paquet de problèmes. L'État d'abord, malgré ses universités, l'État qui traitait l'université en parent pauvre. Dirigeants qui succédaient dans cette université, qui quand même descendent pantalon, qui pas fait ça ou t'as doué faire.
corruption qui caractérisait l'université, conditions d'apprentissage étudiants, conditions de travail pour professeurs, espace côté étudiants, question cafétéria, question laboratoire de recherche, question dortoir, pour ne citer ça seulement. C'est autant de problèmes que nous sommes capables de poser. Là, on a parlé de l'université en pays d'Haïti. Mais en aucune façon, ça n'a pas qu'à justifier décision criminelle en groupe individu à examen pour attaquer à des universités ou bien à des facultés de l'université d'État d'Haïti. Ça n'a pas qu'à justifier ça. Ça n'a pas qu'à justifier le fait que l'université a li non état déplorable et pour on exime en guise de revendication ou de protestation premier acte proposé c'est à bouler espace en faculté ou bien espace université à tout court. Ça yo mettre ton zam des tête moins on va comprendre nous capable toujours mener une bataille permanente pour repenser l'université dans le pays d'Haïti. Nous sommes capables de toujours mener une bataille permanente pour poser une série de problèmes réels qui gagnent dans l'université. Mais je dis à nous pas capables d'encourager personne, quel que soit sort à gagner comme problème avec l'université dans le pays d'Haïti, pour décider c'est boulot pour le bouler, c'est craser pour le craser, c'est piller pour le piller, c'est vandaliser pour le vandaliser. Parce que je dis à la, l'école normale supérieure, comme exemple, n'a pas allé à la, malgré conditions où étudiants apprennent, mais c'est une faculté parmi un paquet d'autres de seul qui bail des normaliens chevronnés, des monde qui viennent entrer dans le système éducatif là, qui quand même n'en façon pas eux mettez empreinte. Donc c'est monde qui contribue à formation de plusieurs générations. Un ensemble de cadres aujourd'hui qui soit dans l'administration publique là ou bien dans niveau secteur privé qui a brillé qui sorti en dans université l'état jodi a gen des étudiants ou bien des monde tout qui passé dans université l'état qui allé à l'étranger guerrier qui a brillé non série de université côté que déjà gagné étudiants étrangers à qui lui même il y a toutes conditions réunies pour bien apprendre. Il est arrivé à caler tout beaucoup. Lors parler de faculté des sciences guerrières, on parle de l'école normale supérieure guerrière, on parle de faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. C'est pas deux mondes lourds qui sortit en dans faculté ça. La faculté des sciences à peine rénovée. Pas moi reconstruit. Donc ça dit ça me chope dit là peut-être pour l'école normale là va pas même par contre papa donc quel que soit sort à gagner aujourd'hui avec Jean n'a fait université avec conditions étudiants yo pas prendre avec Jean n'a formé des enseignants des professeurs quel que soit sort à gagner comme problème jodi avec Jean l'état décide de traiter université à rempart en pauvre ça pas justifié décision criminelle qui prend pour attaquer l'université, pour bouler l'université, etc. Zami a fait même approche là tout pour l'hôpital général, qui c'est le plus grand centre hospitalo-universitaire public du pays. Ça n'est pas l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Moi-même, comme journaliste, honnêtement, j'ai un certain malaise pour m'a parler de l'hôpital général, pour m'a dire le plus gros centre hospitalier pays, et puis le malais, l'hôpital général, effectivement, où est une série de problèmes qui sont tellement visibles, et pour m'a dit tout, est-ce que titre ça est approprié à l'hôpital en question? Décembre 2022. Pour arriver premier trimestre en 2023, les gens qui ont une bonne mémoire, qui ont songé ça,
moi pratiquement intervenu pendant tout le temps ça sous question l'hôpital général là qui était en grève. Nous recevoir des monde qui travaille à l'hôpital là, que le médecin résident, que le l'autre médecin yo, que le personnel médical à l'autre niveau, que le petit personnel là, etc. Nous-mêmes nous effectuer des visites au niveau de local qui loge l'hôpital général là. Nous avons une série de problèmes effectivement qui m'étaient inconfortables pour nous parler de l'hôpital général en des termes élogieux. Pour nous même arriver dit c'est plus gros centre hospitalier VIA. Nous connaissons un problème yoye. Problème de l'eau, mauvais l'odeur, problème conditions de travail pour médecins résidents, problème corruption qui gagne dans l'hôpital général. Moun yon l'hôpital général kap détourné soit matériel ou bien médicament l'hôpital là. Problème qui d'ordre administratif, etc. De problème yon pile. Mais est-ce que ça ba yon moun ou bien yon groupe moun doit pour le bon matin pour prendre contrôle l'hôpital là, pour craser l'hôpital là ou bien pour bouler l'hôpital là? Non. Pas gen ça. Et puis voler ça que là dedans. Non. Elle dit pendant il a dit pas, il pas suffisant, mais il prend ça que dans l'espace là. Ça c'est pas seulement au bouler lui, il prend ça au joint d'eau là dedans. Oui. Parce que toute sorte de l'hôpital général en termes de problèmes guerriers. L'hôpital général aide en pile lui. Oui, il y a des spécialistes là-dedans. Il aide en pile parce que dans la perception, là, on parle de l'hôpital général. Peut-être nous, ouais. Bâtiment. C'est peut-être un espace qui fait pour les gens qui pauvres. C'est peut-être ça, nous, ouais. Capable de faire ça, tout, oui. Monde de petite bourse. C'est-à-dire, malheureux, malheureux, qui n'ont pas de possibilité pour payer coût. Soins santé au niveau des hôpitaux privés. Mais sous garde dans vocation première, l'hôpital Sila Guerrier. C'est un hôpital yo fait ta capable regard sur tout l'hôpital yo en termes de 1 spécialiste qui disponible, 2 matériel. Ouais. Ça veut dire toute sorte pas ta ka joindre l'autre côté ou te doué ka joindre dans l'hôpital l'état. Oui? Tout service qui limite non série de l'autre l'hôpital ou de doué joindre sans problème dans l'hôpital l'état, oui, a un prix bien sûr très démocratique. Pour qui ça? Parce que l'état subventionné 1 prise en charge une série de maladies, 2 infrastructure ou bien des matériels de soins, 3 personnel médical, infirmier, etc. Donc qui vient faire ou même à l'hôpital là, l'agent a dû payer ou bien t'a dû payer ou pas payer parce que Jean l'était défini depuis l'air il a venu avec cet hospitalisateur. Donc l'état est à couvrir un bon parti dans ça. C'était ça l'idée. C'est vrai que moun qui passait dans tête l'état et même directement dans tête l'hôpital là ou bien dans structure institution qui c'est institution de tutelle l'hôpital général yo cocoatisé si m'ga dit le cause à l'hôpital général. Mais en réalité l'hôpital général c'est un hôpital qui était fait n'importe moun te ka aller là-dedans quel que soit sorte ka gagné comme problème de santé comme maladie. Si Jean te ka aller, si Jacqueline te ka aller, même Jean monsieur X monsieur Y te ka aller prendre sur l'hôpital là tout. Parce que dans l'idéal sur l'hôpital qui, je ne te dis pas, il y a toute spécialisation qui est disponible, pour ne pas dire majorité, toute spécialiste là, etc. Médecins, infirmiers, tout niveau, vous comprenez, brancardier, tout le monde là, et puis tout matériel qui a bonne possibilité pour un laboratoire de dernier cri, médicaments, vous comprenez, tout examen possible, tout sort après le payer, un paquet d'argent pour faire dehors. Ou te gen droit capable de faire au niveau de l'hôpital général. C'est ça. Nous corporatiser l'hôpital là, nous venons faire l'hôpital là passer
comme on l'hôpital de bas quartier, comme on l'hôpital de seconde zone. Mais malgré ça, guerrier, l'hôpital général où est là, malgré toutes sortes de qui est comme problème là, li aide en pile dans le pays. Nous faisons expérience là, dans l'espace première occasion. Il y a plusieurs monde qui viennent là, qui viennent dire mais ça ou bien comme problème de santé, opération pour faire une intervention chirurgicale qui doit faire, etc. Qui t'a dû coûter gros l'argent ailleurs, qui viennent poser problème pour voyager, problème de passeport, l'argent. Guerrier en particulier, qu'on fait des contacts au niveau de l'administration de l'hôpital général là, pour permettre que au moins une intervention qui fait. Et grand dame guerrier, m'a songé non, m'a pas cité non le tout. Qui est petit petit qui est pour balle dans dos, m'a rendu au songé. Balle la logé dans dos. Petit petit t'as pas de cas vivre bien, a malade de temps en temps, etc. Il était dans la République Dominicaine. L'un de ses amis, Biladier, a fait passeport pour lui. Il doit aller opérer. Nous songé, première démarche que tu fais, c'est le docteur qui est. Docteur Milsé, oui. M'a rendu au Milsé qui est là, mais c'est ça avant. Nous voyons Milsé. Où tu es relé, faut démarche. Et opération en fait. Ouais. Et dame nan remercien. Un, il n'a pas dépensé l'argent pour la République Dominicaine. Il n'a pas la République Dominicaine, il n'a pas le côté. Peut-être l'argent voyage, l'argent hébergement, l'argent pour manger, etc. Mais de tout, l'hôpital l'a fait là pour. Et opération en fait là pour craser monnaie. Ouais. Et l'hôpital général l'a fait. Ouais. Par contre, je comprends. Il y a de bons médecins là-dedans. Donc là, on est, ou bien on femme, ou bien on groupe monde décide ou dit comme ça que. Parce que l'hôpital là a un ensemble de problèmes. Parce que l'hôpital là est arrivé dans le niveau ça pour nèg yo faire de lit peut-être un espace qui malade pour qu'on parle alors que c'est lit qui t'a besoin de soins. Parce que l'hôpital là a gagné question et problème administratif, problème qui est lié avec corruption, problème de gouvernance, problème de conditions de travail, etc. Pour dire moi ça que ou décider bouler ou décider craser. Vous pensez moi m'a pas encouragé ça? Ce n'est pas la meilleure des protestations. C'est vrai que l'hôpital était déjà malade dans tout col, mais à partir de violences en série qui commençaient le 29 février 2024 pour arriver aujourd'hui, qui dans un premier temps était dysfonctionnel l'hôpital là, parce que il y a des personnels, ou bien personnel santé à Sinkarile, le conseil, personnel médical là, pardon, pas de cadre en bas, puisque environnement l'hôpital était toujours bien affrontement, des malades qui étaient là quand même, des de médecins qui te font passer, mais aujourd'hui, là, pas de l'hôpital général quand même. Ouais. Nous t'avons expliqué ça hier, dans le moment côté administration de l'hôpital là, tu as annoncé des dispositions capables pour permettre que l'hôpital là retourne fonctionner, ne serait-ce que progressivement, à partir de la date du 1er avril. Et c'est dans le moment ça, l'examen va à l'hôpital là. Alors, mon ami dit, il crase l'hôpital général parce qu'il n'est pas bon. Et qui raison qui fait craser ces fonds de salle? Elle dit, pharmacie qui est dans la zone l'hôpital général là, boule, c'est parce que n'est pas bon tout. La gamme de son faux prétexte. On dit wa bataille pour pays comme une série de bail qui était déjà et pas de bon, ou bien c'était l'état qui était à offrir nous une série de bagages rabais, donc nous tout profiter comme si et nous pas d'accord. Et du cas toute institution net et puis on va reconstruire. Ah bah on va pas bêtiser les oui. Et le par exemple ou retirer, ou bien ou craser, ou bien ou bouler, ou bien ou faire disparaître l'hôpital général dans tout compartiment, ou faire un paquet de monde mal. Et le premier groupe ou faire mal, c'est malheureux, malheureux, qui pas un gros moyen pour aller dans l'hôpital privé. Est-ce que tu connais moi-même qui a parlé la guerrier? Il y a de cela 3-4 ans, de bon problème, c'est l'hôpital général malé. Oui. Malé l'hôpital général. On m'a parlé à l'autorité là. 3-4 ans. Il dit lui-même qu'il a un problème, c'est l'hôpital général. L'hôpital général malé, oui, guerrier. C'est vrai, l'aime rivé, il y a des bagailles qui interpellent moi. Moi, il y a des conditions, il y a des soins qui interpellent moi. Et je gagne comme responsabilité, pendant que je fais travail journaliste, pour moi soulever ça. Pour permettre que les gens qui sont là pour assumer responsabilité à ce niveau, pour le faire. Même pas vraiment déboucraser, vous voulez, parce que c'est utile, moi, tout quelque part. Donc, si l'utile, moi, Johnny Ferdinand, c'est certain. Utile, citoyen, citoyenne qui bagaille, non. Si ma chaîne. Et chien est là. Et ce citoyen qui a passé, qui prend un bal marron, mais qui blessé, qui fait accident. Et il n'y a pas de famille pour me côté ou un travail, c'est l'hôpital général. Ouais.
Bon, en tout cas, ça sont bêtises, les amis ont dit. Vous comprenez? Parce que les amis ont dit, c'est ça que vous avez pour boule les petits séminaires au collège Saint-Martial. Bibliothèque nationale, c'est ça que fait le casse là. Oh, hein? Vous comprenez? Non, mais. Vous dit ça? Non. C'est même, vraiment. Moi, le bon exemple, qui c'est? Même les examens, vous avez tête, vous avez vous avez compte. Les occasions, c'est une infrastructure, par exemple, pour l'hôpital général. Peut-être que même qui c'est des figures très connues dans la gang, ils doivent prendre ou bien ils ont l'autre problème, ils ne pas venir à l'hôpital général. Soit ils ont l'hôpital en bas ou bien ils ont un médecin ou bien ils ont fait des médecins rentrer de force, ils ont soigné. Mais ils ont gagné des proches tout, qui ont grande difficulté pendant deux heures à l'hôpital général, ils ont couru avec eux. Marrant ce que vous avez dit là. Ouais. Et je dis à la Balma ou en vin, mon gars Diani font travail sur ça, m'a gagné pour nous d'elle. Vin plus fréquent, mais pas à l'hôpital général encore, non? M'a le bon l'autre réalité. Moi, ouais, le nouveliste, et qu'on a dit sur ça, c'est réalité dialyse là. On a dit qui pote signature journaliste Claudie Junior Pierre. Mais invité mon yo à Lille, son très bon article, un très bel article. M'a rendu compte. Et dialyse n'a pas lié à peut-être son exemple, parmi un paquet d'autres exemples de gars prématin. Son bail qui coûte très cher dans le pays. Et je pense que ce n'est pas moi qui ai le premier deal, mon capitaine de compte ça mieux passé. Eh bien, l'hôpital général, vous ne comptez pas le guerrier de seul. Par mois, c'est près d'une trentaine de patients qu'on a pour recevoir pour question de dialyse seulement. Donc, je dis à là, automatiquement, l'hôpital ça a fermé, ou bien l'hôpital ça a crasé, il va exister. Donc, vous mettez presque. Plus passer 30 personnes dans une situation pour ne pas savoir si elles vivent ou bien si elles mourent. Parce que lorsqu'on parle de fait dialyse, c'est une question de vie et de mort. Oui. Puisque son bail est très coûteux dans le pays, hein? Et ma pli antique là, je parle avec un connaisseur dans le domaine qui dit en moyenne, au niveau du privé, au besoin. Pour pipiti $200 US. Bon Jean Biden. Nan. OK? Pour font séance dialyse. Or, tout patient qui souffre insuffisance rénale qui vient dans situation pour faire dialyse besoin de séances par semaine. Donc, mathématiquement font calcul. Dans un mois, il y a 4 semaines. Ou fait 2 séances par semaine, ou besoin 8 séances par mois. Fait 8 séances à $200 US guerrier pour en moyenne combien comme la baou par mois. Donc c'est certain, ou parti là pour environ $2,400 américains, oui. On va dire comme ça. Maron dit bien compter, non? On fait un calcul pour. Il y a $400 par semaine. Vous comprenez? Allez nous à Diani. On voit 2 séances par semaine. $400 bon dollar? Au bon dollar, on a parlé là. Chaque séance coûte en moyenne $200. Fait $400 par 4. Non, pas 5. Pas 4 ou 5 semaines. Ok. Fais le pas 5 qui c'est maximum. $400 par 5. Pas 5, il va au $2,000. $2,000 américains. Quand y a là, on prend 30 de patients à eux qui te connaissent fréquenter l'hôpital général. Le fait que l'État subventionne en série de bail, tant que infrastructure, matériel de soins, tant que frais de service personnel médical, à clôt encore guerrier. L'été coûte un patient 41 570 gouttes par mois qui t'a fait dialyse dans l'hôpital général. M'a trop fort en US. On prend 41 000 gouttes, ça nous mettait en US. La baille $300, oui. Je suppose. Ah, non, comme ça, environ $300 américains. Environ. Donc, vous imaginez un patient qui t'a fait dialyse dans l'hôpital général. C'est qu'on paye environ $300 américains le mois. Donc, le fait que l'hôpital général pas existé encore, oh, faut que l'y fait dialyse là, quand même.
Donc il gagne pour le sortir dans $300 américains pour aller dans $2000 américains le mois gagné. Voilà de quoi on parle. Mm-hmm. Et dans 30 de patients ça qui viennent faire dialyse par mois, on regarde combien d'ailleurs qui a possibilité pour faire soi. C'est-à-dire pour sortir dans 300 pour aller dans 2000. Et on appelle non. Ça veut dire qu'il y a des citoyens qui ont mouru. Ah, qui va commencer à mourir si ça persiste? Qui va commencer à mourir? Ce n'est pas un balle qui a touillé. Ce n'est pas, c'est pas peut-être un accident qui a fait. C'est parce que vous avez joué des traitements que vous n'avez pas joué. Moi, prends exemple de dialyse. Là, même si prends exemple de l'autre patient qui souffre de l'autre maladie. Que des maladies cardiovasculaires. Ou bien l'autre maladie nous connaît qui mérite un traitement continu, question VIH, etc. Bah, ça y est. Par contre, vous pouvez venir. Et même le yo est viré vers le privé guerrier, même privé a un contexte particulièrement difficile. N'a pas vivre là ou bien nous y est là. Pas aucune garantie qu'il n'y a pas continuer par service. Parce que dans le même article que ça, je t'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas parlé avec un docteur qui lui-même, un centre hospitalier par service là. L'ensemble de problèmes li énumérés auxquels il a fait face, je dis, au niveau du secteur privé, dans la question de l'hôpital là, où là nous compte que si la continue, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que ça, même les patients où tu as gagné en moyenne $2000 américains, ça t'a parlé là, les $2000 américains qui ont gagné, ou pas qu'à venir sur Avel. Je vais vous exemple qui c'est. L'hôpital privé opposé aujourd'hui à un problème d'électricité. Parce qu'il fonctionne avec carburant, pas de gaz. Ou bien gaz là pas aussi accessible que j'étais avant. Par contre, vous comprenez. Yes, yes. Et vous avez vu nos situations qu'on a là pour yo augmenter le coût de dialyse là, puisque dans nos contextes, vous êtes obligé de dépenser plus pour qu'il y ait un service là. L'autre problème encore. Docteur, vous connaissez ça bien. Centre qui baille service de dialyse là, vous connaissez ça bien. Moun tout. Qui a fait science dialyse comme ça bien, appareil dialyse coûte extrêmement cher. Et maintenant, ce n'est pas haïtien qui veut, il faut faire venir des étrangers de l'étranger. Voilà. Bon, des techniciens de l'étranger, pardon. Mm-hmm. Il faut faire venir des techniciens de l'étranger. Côté à passer, guerrier. Ça, pourquoi rien, guerrier? Bon, ensemble de intrants, matériel médical, encore, même au niveau de l'hôpital, vous en avez parlé là. Je dis à là, il n'y a pas qu'à gagner. Minimum ça rejoint en République Dominicaine. Et la République Dominicaine profite de ça comme difficulté, comme problème là pour augmenter le prix matériel. Le prix est élevé dans le moment où on a parlé là. Et puis, il y a un paquet qui est comme sorti, l'autre bord de l'eau, il n'y a pas qu'à venir là. C'est ça qui fait, cri d'alarme soulevé, Pierre-Hugues Saint-Jean, qui lui-même, c'est président de l'association des pharmaciens d'Haïti, il y a tout ça parce que si nous croyons monsieur Saint-Jean Jodia pendant n'a parlé là gagné une pénurie de médicaments et d'intrants médicaux en dans pays. Faut que nous connons ça tout. Haïti dépend à plus de 70% de l'étranger dans quatre bagages yo. Donc tout ça n'a servi l'hôpital yo bien médicaments pour nous faire pharmacie au marché, ils sont l'autre bord de l'eau. Aujourd'hui, ni aéroport, ni port, pas fonctionné, guerrier. Malade, c'est quoi? Ils sont mondiaux, c'est malade ou pas malade là? Mackenzie Remise, on dit ça. Son monde respecté, t'es pas malade dans mon monde, non? Ouais, non, malade. Ça veut dire, ou kage kob nan mon, ou kage kob là dans mon guerrier, ou à l'hôpital, l'on va gagner une souhait. C'est pas parce que l'hôpital a de mauvaise foi, non? Condition pas réunie, vous n'avez pas souhait. Bon, même là, ce n'est pas l'hôpital, je dis. Il y a des gens qui sont sous traitement, c'est-à-dire qui toujours prennent médicaments de manière régulière. Donc, un ensemble de médicaments, je dis, qui n'est pas disponible. Ça veut dire non seulement qu'il y a tout à balle, mais il y a tout à comme on dit, ça a petit fait. Voilà de quoi on parle. Il y a des gens qui malades guerriers, chaque matin, qui prennent médicaments régulièrement pour la capacité normale pour le vaquer à l'occupation. Il n'y a pas qu'à faire ça. Parce que, monsieur Saint-Jean a expliqué. Sous ensemble laboratoire qui fourni Haïti ou bien pharmacie Haïti yo médicaments guerrier yo 213 je crois 216 pardon yo 216 et mes guerriers dans 216 là ou combien laboratoire qui en Haïti 3 laboratoires seulement
Ça veut dire qui ça? 213 yo à l'étranger. Trois laboratoires seulement. Dans tout laboratoire ouais, qui a fourni pharmacie yo produit. Même gens qui ont paquet l'autre structure qui a voué être en médical ici tout. Puis faut dans l'autre boy. Bateau pas rentré, avion pas voyager. Donc ça veut dire gagner la faible quantité. Maintenant si situation était comme ça, bateau toujours pas rentré, avion toujours pas rentré dans le pays, donc à un bon moment pas gagner du tout. Donc ça veut dire c'est pas seul la balle non, on monde avec la carou décider mourir tout, si vous souffrez par exemple. Voilà de quoi on parle. Bonjour madame Jola. Sans compter, j'ose la dire tout à l'heure, un ensemble de pharmacies qui est officiellement reconnu qui a distribué produits pharmaceutiques un peu partout à travers le pays, je dis, qui passe en bas flamme. Ouais. Boulé, notamment dans le parage de l'hôpital général. C'est de ça n'a pas parlé, gars. C'est de ça n'a pas parlé. Même j'en ai dit hier, on a un droit de cop dans mon bar et manger pour acheter. On a un droit de cop dans mon tout, on a nécessité un médicament pas disponible. Ou qui doit un cop dans mon tour à l'hôpital, médecin ou là, il t'a bien aimé bosser ou pas bon soin. Soit ou va gagner un train ou bien tout l'hôpital pas fonctionner pas un gaz. Moi me dit problème, me dit liquide là, me dit l'argent mais gros problème liquide tout. Passer devant maison transfert au problème de 10 à hier matin. Donc ça veut dire que ça nous dans une situation n'est pas du genre viril là. Bah la malou pour nous. N'est pas du genre viril là. Donc pour retourner dans le cas échange que je me avec Zami, je me dis que tout le temps d'autant de l'hôpital général ou bien l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, il n'est pas de bon. Hein? Mais il y a une catégorie de monde qui est utile et il y a une grande majorité. Hein? Et je m'explique même dans les y a des proches qui ont le sur l'hôpital général. Donc, Johnny Ferdinand, je n'ai pas de capacité pour m'empêcher de bouler. Je n'ai pas une capacité pour m'empêcher d'être écrasé, pour m'empêcher d'être brisé. Je n'ai pas une capacité ça tout pour m'empêcher un groupe d'avoir recours à la violence. Mais comme citoyen, comme journaliste, tout, depuis le fait, m'a dénoncé. Et je n'ai pas encouragé aucun groupe, aucun monde prend route ça, quelle que soit sa motivation. Parce que si vous regardez le modèle de l'État, l'État coco est affaibli. Si ça n'est là, il n'y a pas même qu'à gérer, il n'y a pas même qu'à faire le marché. Donc imaginons un instant qu'il n'y a pas rien du tout. Ou pas le temps de dire construire pour encore. Alors là, je parle de l'État. En plus, je voulais parler de monde qui passait dans l'État ou qui cocoratise l'État comme système, comme appareil. Mais le regard des gens qui aspirent à prendre le pouvoir, c'est même appareil. Donc nous n'avons aucune garantie qu'il y a une pouvoir là, il va le reconstruire pour nous. Bien dit, oui, si ça n'est pas là, il y a une capacité pour faire le marché. Voir qu'on y a signé le livre pour maintenant craser tout. Dans combien de temps qu'on a pour reconstruire? Et c'est pas pour une fois qu'on a craser tout. Et quand Pimba nous craser là avec le mouvement, garde ça, ça fait longtemps qu'on a craser. C'est ça nous fait. Elle dit, on économiste m'a été écrit, il dit, nous pas construit, mais on a craser, on a détruit. Ça nous construit. Pour tout le temps, on a craser brisé. Là, on a fait les revendications au passé, c'est l'hôpital, c'est l'université que vous voulez. Donc, ce n'est pas avec autorité ou bien avec les gens qui te mettent des âmes dans le monde pour faire tort. Mais c'est plutôt avec la population, parce que c'est presque la population qui presque fréquente la majorité. Non, mais on a dit tu mets moi, pays, bibliothèque, la patate, la crase, la fait tout le bagage. Son pays, il veut finir net. C'est effacé ou effacé dans ce cadre? Sous la géographie. Oui, il ne faut pas exister. Soit pas attaquer bibliothèque. L'école, bibliothèque, université, l'hôpital, pharmacie. Non, mais. Et ça, c'est ça que là, d'ailleurs, même dans l'examen, je dis à vous, si vous êtes malade là-bas, même si vous êtes médecin privé, quand vous êtes malade, vous êtes considéré tout comme des cadavres, tout. Des gens qui finissent mourir, qui finissent vivre. Il va dire au monde déjà, il va faire ça. Il va dire déjà, ça va être intéressé. Et je pense que ça n'a pas même intéressé pour petit, pour madame, pour famille. Il y a un paquet de monde qui fait attention, un paquet de monde qui fait sucre, je dis à guerrier Dieu seul, qui peut souffrir. Parce que il n'y a pas un médicament pour prendre un guerrier. Et l'organe de situation au pays à guerrier, il y a une possibilité pour le nombre de monde qui souffre de maladie à augmenter. Augmenter. Stress, problème l'argent, problème clair. Manger, problème. On n'est pas capable de mourir de main, vous comprenez? Ou bien sous-sota. Vous comprenez? Problème en pile.
malgré la guerre ou pas partir sous clutch. Donc tellement stressé. Donc il y a un risque pour gagner plus de monde qui fait maladie ça dans le pays. Mais il y a un risque tout depuis que maladie ça tout pour agir sur monde qui peut-être qui voulait mourir et même conduire vers ça dans brûler insuffisance rénale et de vous insuffisance rénale. Donc café ou couler avec moi par rapport à la situation là. C'est de ça n'a parlé. Donc là on fait une crasse tout ça yo. Ou espérer que nous allons jouer au monde ou bien un groupe monde qui vient dans l'État qui vient reconstruire au plus vite ou très rapidement pour nous. Qui bon? Qui l'État? Qui monde? À qui moyen? Ça on met bien la bataille pour pouvoir ça là. Qui passe dans le pouvoir déjà? Descendre dans le qui voulait arrêter ça? À qui moyen? À qui moyen? Sur l'économie à zéro là. Non, Walton, c'est Monsieur Blanc, c'est l'international, ce sont les ONG. Mais vous parlez well. Qui vous venez reconstruire pour nous? Et nous avons un exemple sur l'hôpital général. L'hôpital général a plus que 10 ans. Hein? Nouveau bâtiment, l'hôpital général. Bon, oui. Malgré bâtiment presque fini. Mais jusqu'à présent, nous avons une incapacité pour nous rendre fonctionnel. Mais ce n'est pas nous qui avons tout l'argent. Tout l'argent tout, non? Oui. Mais c'est États-Unis avec la France. Oui, à la France. Et puis l'État ici, t'as en partie. Oui. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous devons faire une crise là. Et puis il y a des bâtiments, nous ne sommes pas chez nous encore. Et là, le conseil qu'ils ont fait, ils font un gros bac. Bon, ils ne marquent pas sur place, non? Ils sont marqués. Oui, c'est Haïti qui ne marque pas sur place. Vous avez une certaine fierté de gagner. Nous ne marquons pas sur place, non? Parce que vous avez une équipe qui a existé. Marquez pas sur place, vous avez dit, ou pas ni faire avant, ou pas ni faire ou pas ni faire bac. Et ça, vous avez nous faire bac. Et gros bac. Et même tomber dans le trou. À toute boule, nous faire bac là. Nous tomber dans le trou. À toute boule, nous faire bac là. Tout chop te dit nous. Elle a donné nous tomber. Elle m'a attendu un ensemble de monde qui te vivent et passé. Cap du ça que, mais comment? Port-au-Prince, mais comment Matisse, mais comment Place d'Italie, mais comment Chan-Massa, Triomphe, etc. Et pas bac nous faire, et pas marqué, marqué pas sur place. Si nous n'avons pas marqué pas sur place, c'est certain, je dis à mon fierté, nous n'avons encore. Nous faisons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous comprenez? Donc voilà. Donc je ne peux pas réellement dire, je ne peux pas dire que je ne peux pas battre avant, je ne peux pas faire ça, faire, si c'est ça qui est capable de dire. Atteindre objectif ou bien arriver quand on veut arriver, mais moi-même, je suis capable d'encourager ça. Je suis toujours dénoncé chaque fois arriver. Et je ne fais pas parce que je suis journaliste seulement, mais parce que je suis citoyen haïtien. Je comprends qui ça est capable et gagner comme conséquence dans le pays. Il est capable de servir au gros manque à gagner pour nous autres.